Ah, passe-partout, passe-temps. Et voici mes amis. Galou, comment vas-tu? Virginia. Oliva. Comment ça va bien? Super. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Mais venez, approchez-vous. La maison est très grande, mais on aime bien se rassembler dans des petits endroits. D'accord. C'est comme ça sur le fort. Bon, alors je vous ai regardé parce que je vois tout, moi, sur ce fort. Pas uniquement à cause de la taille. Et donc je vous ai vu avec petite foulée, mais grandes ambitions, je le sais. Et pour cause, puisque vous représentez une association, pas n'importe laquelle, qui veut nous parler de cette association? Caméléon. Caméléon. C'est l'association Caméléon qui s'occupe des petites filles, des jeunes filles aux Philippines qui ont subi des abus sexuels, des traumatismes, de la violence. Et en fait, donc, cette association s'occupe de leur donner un appui juridique, psychologique, scolaire et... social. Voilà. Le but, c'est vraiment de réintégrer en fait, ces petites filles dans leur vie, dans leur famille. Il faut les aider. C'est peu d'argent. Une famille, c'est important. Il faut parrainer. Donc ben voilà, cette association Caméléon, elle est faite pour ça. Elle fait ses 10 ans. De plus. Ah bon, alors ben, pour l'anniversaire, vous avez donc amené un maximum. On a des maximums de voyage. Bruno, il n'est pas tranquille, il me regarde. En fait, il était déjà en train d'anticiper. Il te dit, est-ce que ça va tomber sur moi la première ou pas? Mais rassure-toi, bien évidemment que non. Non, c'est Abdel. Le gong vient de sonner, ce qui veut donc dire, vous savez, que vous n'avez plus que 45 minutes maintenant pour récupérer les 7 clés. Alors, la première d'entre elles, peut-être grâce à cet objet. Qu'est-ce que cet objet? Eh bien, cet objet, n'est-ce pas, on pourrait confectionner avec éventuellement une cloche à vache, ding-ding, ou bien encore, je ne sais trop quel improbable objet de décoration. Toi qui fais feu de tout bois, allez, on va essayer. Nous allons te proposer, en fait, de reconstituer une échelle et de ramener la clé. Bonne chance à toi. Allez, Abel. C'est parti. Allez, Abel. On est avec toi. Alors, est-ce qu'il a repéré la clé? Vous avez vu, elle est au plafond. Il va devoir utiliser les barreaux, s'assurer, vraiment, assurer ses pas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut qu'il s'accroche déjà, qu'il mette bien sa sécurité. Déjà, mets bien ta sécurité. Entre les bras devant lui. Entre les bras et qu'est-ce devant qu'il fait? Non, il y a une échelle sur sa droite, voilà, et il faut qu'il grimpe. Voilà, grimpe. Et qu'il constitue les barreaux de l'échelle. Voilà, et qu'il assure bien les barreaux, surtout. Tu peux gagner du temps en enlevant un barreau en le remettant au-dessus. C'est les conseils de Delphine. Bon, c'est pas évident. Allez, il faut pas qu'il perde trop de temps sur le départ. Garde les barreaux avec toi, voilà. Il y en a d'autres, regardez bien. Il y en a d'autres. À droite. À ta droite. Ouais, je les vois. Ah, mais on sait jamais. Donc il les assure bien. Il y a un Allez, allez, un quart de temps, dis-lui. Un quart de temps. Mais vas-y, on compte sur toi. Tu vas. Tiens-toi, tiens-toi! Tu es prêt? Faut bien qu'il vérifie que les bâtons soient bien mis entre les deux. Voilà, c'est parfait. À bout de bras. Allez, tu es prêt? C'est super bien au top! Allez, est-ce qu'il peut tendre le bras pour récupérer la clé? Oh là là, non. Putain. Il peut recommencer. Vas-y, t'as du temps, recommence. On surveille bien la clé de cidre quand même. Si vous voyez que c'est trop juste, on le fait sortir. Alors là, il faut bien qu'il repositionne chaque barreau. Ah, il peut peut-être l'avoir, parce que là, il a pris le coup. Voilà. Allez, c'est pas mal. Allez, Abdel. Allez. Va un peu plus vite. Ah, oh là 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 là. Sors, t'auras pas le temps. Vas-y, t'as le temps, mais... Je vais m'y abandonner parce qu'il a encore du temps. Allez, c'est pas grave, tu vas faire du temps. Le temps économise le temps pour d'autres clés. Bah alors, Abdel. Très dur. Très dur. J'ai l'homme fort de la situation. C'est quoi le plus difficile, là? C'est les cuisines. Je sais pas si je vais avoir des muscles. Mais t'en as, pourtant. C'est que du fou. C'est que du fou. Bon, je vous propose de tout de suite filer à la prochaine épreuve. Il nous faut une première clé. Ce serait déjà pas mal. C'est allez, on y va. C'est les champions. Allez.